Et salut, toi derrière ton écran, c'est Gabriel, j'espère que ça va comme tu veux. Épisode 1.5 du Follow sur God of War, sur PS2, l'original, le vrai, du vrai, sans émulateur, sans rien. Donc moi je le fais à la suite de la découverte, c'est pour ça que je suis sur ce petit menu, j'ai appuyé sur Start pour mettre le jeu en pause. J'ai découvert cet encart, donc je n'ai pas été plus loin, d'où le démarrage du deuxième épisode. Enfin, du premier, t'as compris. Épisode charnière, donc info bonus, appuyez sur croix pour canaliser les orbes de puissance dans vos lames et votre magie. Donc c'est des grands de compétences. D'ailleurs je t'invite, si tu tombes sur cette vidéo, je ne sais pas trop comment, en premier je t'invite à aller voir le pré-start, donc la découverte, qui doit se situer quelque part dans la playlist, peut-être en description, bref, elle est là, normalement elle est là. Lame du chaos niveau 1, amélioration suivant, courroux divin, plus dégâts, nouvelle attaque, hein. 1500 orbes, je ne peux pas. Ouais, rien faire, c'est trop cher, ça rime. Ah, attends, il y avait L1, R1. Donc ça, c'est ok, j'en ai deux. Il y a des plumes, attends, je vais pas trop me spoil. Ça, c'est les combos. Ok, très bien. Bon, je pense de toute façon, à un moment, à un autre, ils vont m'expliquer tout ça. Donc, c'était quoi le délire Athènes, tout ça, je crois? Hop, ouais, je vais quand même prendre ça, on sait jamais. Histoire de me mettre bien, me mettre full. Enfin, l'ombre. Voilà, les portes d'Athènes. Alors. Détruisez Arès. Et les dieux vous pardonneront vos actions passées. Je n'y crois pas du tout. Vraiment pas. Je pense que c'est un piège. Un piège à Kratos. Et nouveau type d'ennemi. Oh, j'ai pas réussi. Ah, pareil. Ah, c'est bon. Ok. Non plus. On va faire de m'habituer, hein. Vraiment. C'est chiant. Ah bah tiens. C'est drôle. Ah, j'ai pas pu le finish. Non. C'est pour ça. Ah, je peux l'échapper, j'ai oublié ça. Ah non, lui il veut pas lui. Bouge tellement. Ok. Du coup, amélioration. Alors, ça je peux pas améliorer ma couleur de Poséidon. Moi, je peux améliorer mes lames du chaos. Bah écoute, let's go. Hein. Ah d'accord, t'es pas obligé de le. De le faire à fond, tu peux juste le faire en partie, je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon. Du coup, des nouveaux combos. Elle a un croix. Ok, d'accord. Je ne vais pas me souvenir, mais c'est pas grave. Et j'ai un courroux divin qui est un ulti. Très bien. Que la colère des dieux guide tes lames, Kratos. Ouais, je vais me rappeler de tout ça. Ok. Donc le courroux divin qui est maintenant en bas, à droite. Bon, faut que je teste des choses. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Là, faut varier le plaisir, quoi. Il y a une petite colonne de lumière, j'ai remarqué déjà ça tout à l'heure, quand j'ai sauté l'autre. Bon, tu peux l'envoyer dessus, l'enchaîner. Je le fais tout à l'heure sans le faire exprès. Voilà, il suffit. Est-ce que tu as plus de... d'orbes si tu les exécutes, si tu les finishes?
Je sais pas. Non, mais il y avait une... Il y avait un trou en bas. Bah ouais, je suis curieux, forcément. Je sais jamais où est le chemin. Et quand tu sais pas où est le chemin, tu ne sais pas où est le truc secret. Mais je ne sais pas du coup. Est-ce que c'est pas là? Est-ce que c'est l'ascenseur? Je ne sais pas. C'est forcément un truc secret, mais... Bon, la mana se recharge pas de ouf, quoi, je trouve. Hein? Qu'est-il? Il a chopé l'enfoiré. Calme, hein. Du coup, peut-être juste pour ça en fait. Enfin, juste pour ça. Et la plume. Donc c'était bien ça. Et où suis-je? D'accord, très bien. Donc c'était bien un truc qui était planqué. Ah oui, on peut le voir ici, regarde, en plus. Ok. Eh bien, eh bien, eh bien. Voilà, quoi, des yeux de gorgone, je crois. Des plumes de phénix. On va faire beaucoup de trucs à trouver. Évidemment, je vais essayer d'en trouver un max. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, ils sont... Ah ouais, d'accord, ils sont beaucoup plus grands que... On va penser. Comment ça, ça part? Ok. Bon, on gagne un temps fou, hein, c'est sûr. Ouais, ok, pas mal, pas mal. Maintenant, ça part, hein. Bien joué, les gars. Enfin, je garde mon pouvoir de Poséidon au cas où je tombe sur des vraiment, vraiment balèzes, quoi. Situation désespérée, ouais. Non, insupportable. Non. Non, c'est con cool que tu le chopes. Putain. Hop, ça, ça dégage. Ah voilà. Non, on est bien. On est un peu mieux. Désolé, j'ai un petit problème de manette. Vous, les renforts sont arrivés? Arès a amené ses bêtes dans Athènes. Sans aide, la cité est perdue. La porte est détruite. Il va falloir trouver un autre... Ah, les rebuts, non... Enfin, les bruits. Les rebuts de Gears of War qui n'étaient pas encore sortis. Ah, merde. Bah, tu vois? Voilà exactement ce à quoi je pensais. Ça se part pas, ça? Ce mec, il pense pouvoir tout paraître, tu sais.
Ah, ça se part pas apparemment. Ah, ça dégage en quittez vous. Merci beaucoup. Ah bon non. Qu'est-ce que je vais faire? J'étais quand même largement... Oh non mais les gars... Oh, je sens que je préfère en feu dans le jeu. Là c'est vrai que j'ai ça, attends. Ouais c'est... Ah ouais, t'es cheaté de ouf. Ok ok. Par la porte, vous voyez un pont menant à Athènes. La porte est très abîmée. Elle est irréparable. Elle ne fonctionnera plus. On a compris. Il doit y avoir un autre chemin. Évidemment qu'il y a un autre chemin. Et... Là, il y a un coffre, j'ai vu. Ok, classico. Pas de la santé. What the... Rien par là. Désolé, hein, je tarde un peu, je farfouille, mais bon. Bah, oh! C'est pas un speedrun donc. Ça m'intéresse plus. Je suis full en santé donc. Alors. Couloir. Un coffre. Ah! Ok. Il y a un truc, t'as vu? Il y a une. Je ne vois pas. Ah! Donc tac. Ou tac. Et du coup tac. Mais avant tac. Eh? Il suffit. Attends, c'était pas un... Comment ça? Merde, je suis rend con. Je suis en mode, ouais, trop bien, une plume, un œil, ou je sais trop quoi. Pas du tout. Mais... Ah bon? Ah bah attends, attends, le truc bizarre. Ah peut-être qu'il faut pas que je pète la caisse, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Imagine la caisse. Faut pas la péter, parce que comme ça, ça te permet d'accéder à un truc. J'ai d'abord envie d'aller les voir. Florent. Bon, c'est l'affaire de 3 quarts d'heure, hein. Et donc, j'ai d'abord envie d'aller voir comme ça. Si je suis bloqué, je pète la caisse en bois qui est tout en bas. Et on avise. Ok. Quel serait l'intérêt de péter la caisse ? Aucun intérêt. Bon, y a rien de secret, c'est quand même bizarre. Ça se trouve, regarde, y a un cadre. Ça se trouve, ça cache une entrée. Oh bah, hey, ça alors. Alors, je m'y attendais pas. Ok. La théorie était pas dégueu. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Hop. 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 Je tiens à récupérer mes collectibles. Du moment que je les trouve, tu vois. Il y en a plein que je vais sûrement skip, mais bon. Ouais, caméra, j'avais dit quoi? J'avais dit la caméra, ouais, la caméra. Dans le premier épisode, j'avais dit, perspective. Bon, après, voilà. Soyons tolérants. C'était une autre époque. Non, c'est vrai. Voilà. On a vu pire. On a vu mieux. Hop.
Tac. Alors. Qu'est-ce qui quoi? Dites. Kratos, les dieux sont contents de vos avancées. Mais vos aptitudes actuelles ne suffiront pas pour vaincre les serviteurs d'Arès. Je vous offre un grand pouvoir, celui de paralyser vos ennemis sur place. Mais vous devez mériter ce don. Méduse, la reine des Gorgones. Rapportez-moi sa tête, Kratos, et je vous offrirai le don de maîtriser sa puissance. Alors moi, je voulais juste un truc bonus, hein. Je voulais pas un pouvoir ou quoi que ce soit. Hein. Paraître qu'est-ce que c'est? Ah bah évidemment, je suis bête. Pardon? Ah ouais. Ambiance quoi. Ton rayon de merde, hors de question que tu utilises, ok? Oh non. Non. Non, vraiment. Sans façon. Ça, c'est quoi ce délire? Genre, il y a des demi-boss? Qui sont plus vénères que des boss complets? J'arrête ça tout de suite. Ok. Ouais, j'ai appris ça aussi avec un... Ouais, un boss, ouais. Le regard de Méduse. C'est pas ce que je voulais, mais okay. Paralysez-les, détruisez-les tous avec le regard de Méduse et le pouvoir des Gorgones sera vôtre. Allez, tout de suite, là. Sans les trophées après avec ce genre de truc. Oui, alors paralysé 18 et demi. C'est moi qui l'ai fait, mais ça compte. Et ça ne prend pas de mana. Les gars, 10 secondes. Non, c'est juste toujours un peu trop, tu vois. Il peut juste en paralyser 5-6, quoi. Pas besoin d'en faire 18. Allez avec les dieux, Kratos. Avancez au nom de l'Olympe. Imagine, c'est ça le chemin. Oh, imagine, en fait, c'est ça le chemin. Parce qu'il y avait une alcôve à droite. Imagine. Merde. Imagine, l'alcôve, c'était le secret. Et c'est... c'est possible. Tant pis, hein, ça me suffise. Ah
Dommage. Là, toujours trop. Toujours trop. Bon, trop de gars. Ah, c'est ça. Ok. Mais bon, ça me fait des herbes. D'ailleurs, en parlant d'herbes, on est où? 1002. Ah. En tout cas, la mise en scène est très stylée. Hein. Les angles de caméra, tout le bordel. Ok. Attends. Bah, attendez. Sauvegarde. Oui, évidemment. En vrai, j'aurais pu, tu sais, charger une sauvegarde, etc. Mais... mes flemmes. Ah non, pardon. Je pensais que c'était R2 pour ça. Mais non, c'est juste de la déco. La déco suspecte, mais de la déco quand même. Je vais tester un truc. On peut pas. Est-ce que tu vois ce que je veux faire? Non, on peut pas. Je pensais qu'on pouvait... Ah bah si, attends. Mais si, c'est du bon côté. Con. Bah non, pas du tout. Non, le truc dans ce sens-là. En fait, je voulais... Non, ça tombe pas du bon côté. Je pensais pouvoir utiliser cette machine pour le mur. Mais non. Apparemment, elle fait pas 3-6. Ouais, c'est tout. Ah, c'est, bah si, mais c'est plus si. Attends. Tout ça pour fail, hein. Mais écoute. Jusqu'au bout de mon idée. Hein. Eh bah écoute, mon idée était bonne. Ça m'arrive, c'est rare mais ça m'arrive. Hop. Qu'est-ce que c'est? Oh, une plume. On va pas faire un œil mais bon, écoute. Donc du coup, il faut tourner ça. Je passe ma vie à faire ça. On va aller voir par là, on sait jamais. Non. C'est un très joli point de vue. Donc un peu obstrué par les bâtiments environnants. Bon, pas de sens. Ok. Ah ah! Encore une fois, est-ce qu'il faut descendre? Est-ce qu'il faut monter? Je ne sais pas. C'est le truc. Il y a quand même 2-3 chemins et tu sais pas vraiment où le secret, si secret il y a, tu vois. Comme tout à l'heure, je me suis fait avoir. Hein. L'alcove, je suis sûr qu'il y a un truc du coup. Moi, je pense que je l'ai pris pour le chemin. Et il y a une alcove à droite. Après, ça se trouve, il n'y a rien, c'est un cul-de-sac, tu vois. Comme là, tout à l'heure, il y avait un balcon. Pas assez mes pouvoirs, enfin mes différentes attaques, je veux dire. Ok, bon, rien ici, apparemment, toute évidence. Très bien, très bien. Ah bah. Mais putain. Ah, voilà qui fait plaisir. Ok, ah oui, d'accord. Ah mais attends. Attends, peut-être.
que j'ai une chance de vérifier. C'était avant, c'était après, je sais plus. Oh, oui, je vais pouvoir vérifier. Trop bien. Tac. Alors. Mais putain, tu vois. Voilà. En plus, t'as un œil. Bref. Je le fais quand même. Merde, c'est vrai que le chemin. Attends, pourquoi je m'emmerde? Voilà. Moi, je voulais juste utiliser ça pour vérifier ma théorie. Mais en fait, je peux juste passer par l'échelle. Parce que ça m'évitera de m'emmerder avec leur caméra. Et leur angle de truc et de machin et du bidule et de bordel. Supportable. Hop. Alors. Bon, c'est beau. C'est vraiment beau ça. Ça c'est vrai. J'ai oublié que j'ai pas le bon pouvoir mais... Oh ouais, ah ouais. Hop. Voilà, vous merdez. Ils sont quand même butés en vrai, je suis sûr. C'est beau. La doublette. Ah, c'est pas mal ça. Je sais pas comment j'ai enchaîné mais... Ok. Oh le spam affreux. Ok, j'allais dire ouais c'est tout. Non. D'accord, donc on peut faire ça. Ouais mais pourquoi sauter alors que regarde ce qu'il y a en bas. Oui j'ai envie d'essayer de marcher sur le petit truc en bois, évidemment j'ai envie de le faire. Non, on va dire que ça sert à rien. Pas toujours, pas toujours. On est vraiment très inspiré de Prince of Persia avec la bataille derrière. C'est vous foutu dessus. Après il y a pire que de s'inspirer de Prince of Persia. C'était quand même une... du bon Ubisoft. Hein. J'ai pas fait le troisième, je crois. J'ai fait les deux premiers. Et encore, je suis même pas sûr du deuxième. J'ai fait le... Je sais pas comment on pourrait dire ça. La version 3.6, là, en cel shading, qui était horrible. Avec la nana, là, qui arrêtait pas de te... Ah, elle était insupportable. Tu sais, tu pouvais jamais mourir à te rattraper de temps. Pire idée. Eh oh. C'est roi de rage, mais sans les motos. Par la tour. Un choix ! Ouais, t'as une belle armure, mais ça sert pas à grand chose. C'est mon truc préféré. On fait du monde là, hein ? Putain, j'ai presque plus de vie. Quel fucker en faire, j'ai presque plus de vie. Je sais pas quoi faire, comment faire. Oh, merde. On donne-moi de la vie, s'il vous plaît. R2.
Eh oui. Bah oui, il est balèze. La question, c'est pourquoi. Ok, j'ai ma réponse. Oui, la santé, merci beaucoup. Comment vous avez su? Bon, j'ai envie de tracer de l'autre côté. Hein. Pas de combat, pas de machin. S'il vous plaît, hop là. Ah non, surtout pas toi. Alors là, vraiment pas. Ah bah non plus. J'ai pas assez de magie pour... Hein. Je vais utiliser la... La méduse. Ouais mais pourquoi... Ah mais une gorgone... Mais forcément... Mais, je veux pas... mais qu'est-ce qu'il fout là bordel de merde. J'ai... Regarde la perpasse sur les gorgones. Mais la gorgone elle est en bas. Non elle est pas en bas la gorgone. Elle est juste à côté. Jouer. Le pouvoir. Eh ben, c'est un beau bordel quand même. Ok. Ça. Ok. En fait, plus tu les maintiens en l'air, mieux c'est. Il faut que je fasse tout ça parce que sinon ça n'a pas de sens. Mais... Oh oui, j'aime quand ça se passe comme ça. Les gars, occupez. Mais. Si on raconte, on entend à peine hein. Je suis quand même un peu occupé. Il manque un peu de précision dans les shops et tout, mais avec quoi je peux enchaîner une fois que je fais ça? Si je fais ça genre. Ah ouais, je peux faire 5. Ok, oui. Très bien. R2. Let's go. Non. On se casse. Mais comment ça? Ah.
Ils ont quand même été vachement géniaux. C'est vraiment dans cette séquence là que je peux me faire avoir, c'est dingue hein. Non ça c'est cool. En vrai c'est super cool. Ouais, ça commence à faire du monde hein. Normal déjà c'est bien hein. Ouais. Ça pas mal hein. Alors lui il me touche mais le problème c'est que tu peux pas parer je pense pas. Du coup je vais te faire un peu taillader des deux côtés. Tu vois comme là. Ah oui d'accord, tu peux quand même toucher... Ah oui. La hitbox est généreuse. Une échelle, ça faisait longtemps. Ah. Que se passe-t-il? Minotaur? Ça. Ah ok. C'est course de poursuite comme ça. Bizarre. Ah non, j'aurais dû aller vers la porte, ça. Il y a moyen d'en venir à bout. Ouais bah comme toujours hein. Je suis venu par là juste pour revenir là. Est-ce que ma... Non, ça s'appelle une ballast non? Ça. Je ne sais pas. Théoriquement. Oh c'est beau. Oh merde j'ai pas pensé à ça. Évidemment. On est mieux d'un coup. Ouais, j'ai pas raconté. C'est un peu brouillon. Je ne vois plus rien. Oh, caméra. La caméra, non, mais. Je vois rien. Je sais qu'il y en a un qui a un cercle au-dessus de lui, mais je vois rien. Ah, je me fais. Ah, mais les gars, là. Ouais, c'est que. C'est un bordel, hein. Ah, il y a cercle. Moi, je peux pas, en fait. T'as bien vu, hein. T'as bien vu, je peux pas. C'est trop n'importe quoi, en fait. Mais qu'il y a mis direct, quoi. Ouais, là, il y a cercle. Mais bon. Vu qu'il veut pas le choper. Ok. Oh oui, j'ai mon ulti, je sais. Mais... Pas envie pour ça. Sait-on jamais. Je peux le regretter.
Une fois que t'es à terre par contre... Ah, un petit cercle là. Ok, c'est passé, je sais pas comment. Ah putain, j'ai ripé. J'ai ripé. En fait, putain mais... En fait, j'ai pas les manettes officielles. Et les boutons sont un peu plus gros. C'est pas une excuse, hein. Mais ça facilite pas la tâche, tu vois. La course est plus longue, en fait. Et il a l'air assez rigoureux pour le timing. Enchaîne. Non, je suis très bon quand même au spam de touches. Tous les jeux athlétiques là. Putain, tu dois spammer croix carré, croix carré. Il est où? Il est mort, il est mort, il est mort. Bon, ça va descendre. Hein. Ah oui, non. Il faut descendre. Parce qu'en haut, il y a ça. Hop, ça c'est pour moi. Ah, c'est pour moi. Niveau orbe, on a 1600, il me faut 2002. Je pense que je vais me focus sur un deuxième niveau. De mes lames... du démon de la mort, là. Et après, je verrai ce que j'améliore. Voilà. Ah. Descends le boss. Ne craignez rien, Kratos. Je suis l'oracle d'Athènes, et je vais vous aider à vaincre Arès. Trouvez mon temple, à l'est, et je vous montrerai comment tuer un dieu. Qui ? Ah, la route vers Athènes. On a un point de sauvegarde ou pas ? Je voudrais arrêter ici, vois-tu ? Ça me paraît être un... Ouais, on va peut-être t'arrêter ici, hein. Waouh. Mais qu'est-ce que tu veux faire contre un gars comme ça? Ouais, c'est un bon teasing, ça, pour la semaine pro. Hmm, voilà qui est fait. Mais écoute, c'est parfait. On va s'arrêter ici. Tu m'as l'air bien motivé. Tu m'as l'air très motivé, mon cher Kratos. Oula. Ah oui, carrément, en plus il y a des pouvoirs. Bref. Écoute. Sur ce, c'était bien sympa. J'aime bien. J'aime bien. Ça pique un peu comme il faut, tu vois, parce que je suis pas très attentif et il faut dire que je suis pas un gros PGM des combos. Mais le jeu, je trouve, a une bonne difficulté, tu vois, pour un jeu lambda. C'est pas trop mal, vraiment. En attendant, je t'invite à checker les liens dans la description si t'as envie de voir ce que je fais, tout ça, tout ça. Et puis rendez-vous pour l'épisode 2 samedi prochain. Même endroit, même heure. Non, même heure, non, ça arrive souvent en retard. Comme d'hab, merci d'avoir regardé cet épisode. Écoute, c'est arrivé jusque-là. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et n'oublie pas, car moi je n'oublie pas, à la prochaine. Tchuss.